par
le Seigneur et le gouvernement. Donc, nous lui avons signifié qu'il serait alors hors de question que nous soyons avec ces syndicats fantômes qui ont été créés pour la circonstance. D'autres sont les instruments, les vieux syndicats qui sont là, de l'éducation, sont les instruments du gouvernement. Je veux dire, la FSPE et donc, nous lui avons fait comprendre qu'il est hors de question qu'on soit avec ceci pour les négociations. Donc, il était question d'aller transmettre cela au monsieur, à monsieur le Premier ministre. Une première fois, il est venu ici, on lui a dit. Une deuxième fois, il est venu, on lui a dit. Une troisième fois, on s'est rendu à la Banque centrale, on a cité la même position. Donc, il a promis de rencontrer le Premier ministre. La première tentative a échoué. La dernière, quand il est allé, il nous a fait comprendre que le Premier ministre était en déplacement. Et que le jeudi, c'est-à-dire avant-hier, il allait de retour. Et effectivement, jeudi soir, il est venu. C'est pour cela que hier, il a fait lancer cet appel au secrétaire général de venir le voir, à celui-ci seulement, de venir le voir pour qu'il puisse aller rencontrer le Premier ministre. Sceau a dit, le commandant secrétaire général de l'USTG lui a dit qu'en matière syndicale, on ne se déplace pas seul. Il faut qu'il vienne accompagné d'un ou de deux éléments. Alors le gouverneur lui a dit donc de se faire accompagner par un élément. Nous étions en réunion, il nous a fait le compte rendu et il a dit que l'élément là, en l'occurrence, c'est que c'est le SLEC. N'est-ce pas que l'intéressé sera désigné. Alors, il a proposé qu'il soit accompagné de notre camarade Toukara. Au sein du SLEC, il y a eu des réactions. On dit que non, il revient au SLEC de choisir, de désigner son représentant. Mais ce n'est pas au secrétaire de désigner. Cela a été la réaction de certains membres du SLEC, membres de l'USTG. Alors, après ces échanges, moi j'ai pris la parole pour dire que moi, en tant que secrétaire général, je ne me présenterai jamais, je ne viendrai jamais rencontrer le Premier ministre. C'est ça. Chers camarades,
ces termes qu'il a répondu la délégation. Donc, un, il faut suspendre la grève. Deux, si toutefois on ne reprend pas, il prend l'engagement au nom du gouvernement de radier tous les anciens grévistes. Si vous avez peur de la radiation, alors le lundi, reprenez les cours. Alors, chers camarades, c'est le moment de demander au gouvernement, au Premier ministre, que nous, ASEAN, nous sommes déterminés. Pas de recul. Nous irons jusqu'au bout. La septième victime est la femme d'un océan.
Alors, face à ces multiples violations des droits et libertés syndicales, alors, certains médias le félicitent, c'est bon. N'est-ce pas, d'être ferme. Et la fermeté au tout le coin. Écoutez-moi. Lorsque le Premier ministre dit, lorsqu'il dit qu'il préfère l'ordre à la loi, alors nous nous trouvons dans quel pays? Alors que c'est la loi qui instaure le droit. Le droit va avec la loi. C'est en respectant la loi que l'ordre, n'est-ce pas, est établi. Donc, c'est la loi qui commande l'ordre. Lui dit, il met de côté la loi. Alors, il préfère l'ordre. Donc, c'est ce qu'on appelle la dictature. Aujourd'hui, pas de manifestation. Alors que c'est consacré par notre constitution. Pas de guerre. Alors que c'est consacré par notre constitution. On gèle le salaire. Alors que ce n'est pas prévu par notre constitution. Les fonctionnaires. On emprisonne les anciens. On les bastonne. On les casse. Tout cela, on dit c'est l'ordre. C'est ça l'ordre. Non, c'est ça. Non. Alors, et le peuple de Guinée est là. Indifférent. Alors, chers camarades anciens, nous sommes maintenant en face de notre destin. À nous de choisir entre notre bonheur et notre malheur. C'est le moment. Interpellons ceux qui sont dans la classe. Ceux qui sont dans les classes. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons demander que chaque enseignant, chacun au niveau de son école, que chaque collectif veille sur son école, sur son établissement. On va le renvoyer. Voilà. Tout enseignant d'être qui va pousser son pied à l'école, va dire l'école. Il faut la raisonner. Il faudrait que nous prenions maintenant nos dispositions pour démontrer au Premier ministre que le pays là ne nous appartient pas. Le pays appartient à tous les citoyens de la Guinée.
On regarde. Le Christ est disponible. Prise par le Premier ministre. S'il vous plaît. Nous demandons aux anciens, à tous les anciens, à tous les de se remobiliser. Comme le 3 octobre, comme le premier jour du lancement de la guerre, qu'on se remobilise, qu'on prenne conscience, qu'on prenne notre destin en main. Nous sommes déterminés, nous sommes engagés à aller jusqu'au bout. Tant que le gouvernement ne fait pas une proposition consistante sur les 8 millions que nous avons demandé, la grève sera maintenue. Pas de recul, pas de recul, pas de recul, pas de recul. Face à ces dispositions, face à ces élections du Premier ministre, on a le s'il vous plaît. Nous demandons. Nous demandons tous les secrétaires généraux des préfectures, des communes, à tenir des assemblées générales le lundi dans toutes les préfectures, le lundi, pour que à l'unanimité, nous organisions une marche. Une marche. Tous les anciens, nous allons nous retrouver. À un point donné, que nous allons communiquer entre nous. Pas question de suspendre la grève. Jamais.
Jamais. Pas question de négocier avec les syndicats fantômes, fantoches, créés expressément pour la circonstance par le gouvernement. Jamais. Et nous demandons le départ du Premier ministre. Merci. Confié à lui par le président de la République. Enfin, nous porterons la plainte contre le ministre de l'Éducation nationale pour la violation. Et nous demandons à tous les enseignants à se mobiliser massivement le lundi à partir de 9h à l'aéroport. Tous les enseignants de Guinée-Bissau sont en train de par rapport à l'ISG, l'ISG a pris la décision de tenir un point de presse le mercredi, le mercredi à venir. Au bout du temps, puisque mardi s'est payé. Mardi est férié, c'est discuté. Le lundi, ils ont dit que c'est trop juste. Donc, ils ont dit mercredi, l'ISG devra tenir un point de presse au cours duquel les fédérations qui sont affiliées à l'ISG vont lancer aussi leur adhésion au mouvement de grève qui est déclenché par le président. Même si c'est le groupe là qui est là, comme ça, qui est mobilisé à l'aéroport, c'est largement suffisant, ça fait notre affaire. Donc nous demandons la mobilisation de tout le monde. Que tout le monde soit là. Ceux qui applaudissent là, il ne faudrait pas, parce qu'on a constaté que quelquefois, quand on lance l'appel, ceux qui sont là, ce n'est pas ceux-là qui viennent. Donc, il faudrait maintenant que nous avons la tête, une fois de notre combat, où la détermination, l'engagement doivent être de mise, doivent caractériser tout le monde. Donc, à nous de faire en sorte que le gouvernement nous écoute. Ça, c'est grâce à notre détermination, à notre engagement que nous allons prouver sur le terrain. I want for like in a calle, in a mountain, man.